Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Allo Camping Car TV. Je suis toujours à Bad Kissingen, à la réunion européenne des 4x4 et je suis là avec Michael qui va vous présenter un nouveau concept super sympa. C'est lui qui l'a inventé. Si vous êtes baroudeur, si vous voulez, je vais tourner la caméra, je vais vous montrer un instant. Vous avez ici un utilitaire sympa et vous dites tiens, j'aménagerais bien, et je voudrais partir mais pouvoir cuisiner. Donc une petite caisse en aluminium dans laquelle on va tout trouver. Donc ici on a la plaque de cuisson. On appuie, on y trouve tout le nécessaire. Donc les verres, les assiettes, des petites choses comme ça, les petits bols. En dessous, qu'est-ce qu'on trouve? Tiens, une gourde, le sel, le poivre, les épices. Tout est réuni dans cette petite boîte. C'est la quartière. Ouais, il y a un petit peu de dextérité à avoir. Là, ici, on trouve les poils. Donc, tout est pensé. Vous voyez? Ça, tout est dedans, le vinaigre, tout, la boîte à thé, ça c'est la planche à découper, la planche à découper, ok, et là au-dessus, les couverts, vous l'avez compris, tout est compris, il fallait juste y penser. On la retrouve ici avec des choses différentes. Donc ici, on a la machine à café, les petites dosettes, le brûleur et toujours ici, on y trouve de tout. Le gaz, les casseroles, le vinaigre, l'huile, la petite boîte à couvert. C'est vraiment, tout est pensé. En fait, on met cette petite boîte dans sa voiture. Tout est rangé dans une finition qui est quand même irréprochable. Il a vraiment dû beaucoup travailler. On est sur de l'aluminium brossé avec de très belles finitions. Cette partie-là, c'est le couvercle qui vient à l'avant et qui vient se poser ici de manière à pouvoir avoir un support où poser nos choses. On a là derrière les couteaux. Tout est présent et toujours facile. Clic, clac, Kodak, on ferme la boîte et tout est rangé. Ici, sur le côté, on a le rouleau de papier Sopalin. Donc, c'est vraiment très bien pensé. Là, il veut nous faire une petite démonstration, donc un caillou. Il pose le caillou en dessous. Et malgré tout ça, le tiroir s'ouvre. Oui. Donc il y a encore des gens qui se cassent la tête pour trouver des idées. Là, on en a trouvé une. Là, il est en train de se servir de sa box. Donc vous voyez, donc cette partie-là, c'est celle qu'on avait trouvée ici tout à l'heure. Voilà, vielen Dank, mach schön weiter. Je le remercie d'avoir fait tout ça. Donc il y a des solutions, il y a plein de personnes qui aujourd'hui cherchent des solutions pour vous rendre la vie plus agréable. Sur ce même stand, on trouve des batteries embarquées, voyez-vous, de grosse puissance, lampe de poche, et plus loin, les remorques canadiennes. Il y a du monde qui sont plutôt assez exceptionnelles. Donc elles sont hyper complètes, ces remorques. Donc le lit derrière, des rangements partout, rien n'est perdu, tous les espaces sont occupés, le réservoir, deuxième réservoir, la roue de secours. Et sur le rangement côté, le vin, les boissons, tous les espaces sont occupés. Et là, le coin cuisine avec l'évier. Ça sont des fabrications canadiennes, des remorques, des grosses remorques. Donc elles font 4,41 m à la flèche.
1m62 d'empattement, une hauteur de 2150 et elle pèse 1,390 tonnes et à charge 1,8 tonnes. Donc c'est sûr qu'il faudra le permis pour pouvoir rouler cette remorque. Encore une autre. Donc c'est ici à Bad Kissingen qu'on découvre tout ça. Effectivement, regardez voir si c'est bien fait. Ici une autre avec sa toile qui fait tout le tour de la remorque. Et pareil, du rangement. Là on dort par contre au-dessus, voyez. Il y en a pour tous les goûts, il en faut pour tout le monde. Il n'y a pas que le camping-car aussi. Ici la cuisine, le rangement. Voyez. Le bloc électrique. À l'arrière, on exploite tous les espaces. Les verres, les bouteilles, les caisses. C'est vraiment fait pour aller dans les vallées, pour aller loin, pour se promener. Ici, la partie frigo, vous voyez. Et on a cette énorme toile de tente au-dessus. Je vais prendre un peu de recul. Enfin, cette toile qui fait tout le tour de la remorque. J'espère que vous aurez aimé cette petite découverte et je vous dis à bientôt sur Allo Camping Car TV. N'oubliez pas de partager. Merci à vous.